Quelquefois, Khaled, tu trouves quelqu'un, il a fait comme ça pour toi. Quelquefois, tu trouves quelqu'un, il fait. Ouais, il y a des choses mal pour nous, mais on a pris l'habitude. Pardon? Ne filmez pas. Ne filmez pas. Mais on est sur l'espace public, monsieur, vous avez pas l'habitude, hein? Vous venez aujourd'hui de faire un communiqué déclarant que vous ne respecteriez pas la décision du Conseil d'État, qui est quand même la juridiction supérieure de la nation. Vous n'avez pas l'impression d'être hors la loi maintenant ? Je me suis exprimée largement auprès des médias. Je n'ai pas de leçon de recevoir ni de vous, ni des associatifs, ni des activistes qui sont à vos côtés. J'ai fait mes preuves en termes d'humanité, j'en ai fait beaucoup plus que vous tous réunis. Vous ressentez quand même, le besoin de venir vous justifier ce soir. Donnez-moi quelque chose à manger, s'il vous plaît, madame Bouchard. Je viens soutenir les forces de l'ordre. C'est terminé, vous sortez. S'il vous plaît, vous enlevez votre main. Vous enlevez votre main. Yamal Wawatwat, ils disent que des bêtises. Ils disent que des bêtises. On va te retrouver. Viendra sans caméra. Vous avez le droit de me filmer, il n'y a aucun problème. J'ai le droit de me déplacer où je veux ici. À partir du moment où je ne dérange pas votre dispositif. Vous dérangez mon dispositif. C'est mon dispositif. De quelle manière Parce vous que là, pour l'instant, vous êtes en train de me le casser. Continuez à travailler, à vous lever tôt le matin, à gagner votre vie, je le suppose. The police spray to the eye at the sleeping area. We have not a sleeping area. We are sleeping as a tree. Just the police coming and spray to our eye. They come every day? Yeah. Yeah, it's coming every day, night time. Every day, morning, not running, just. No sleeping area. Yes, there is a rain. Yes, we are underage. Yes. Well. Yeah. Can you explain me what's happening with the police? Police كان نسال هنا كان الناس كلهم بيجروا من هنا انا ما عرفت ما نقطه الصلاه جاء مسكني ما عارفين الفليت ثاني ضربني في رجله يعني الموضوع هذه خلاص ثاني ما في هاي Un peu, là. Ah bah voilà, on reconnaît les fans. Ah, j'ai pas pu venir pendant 8 mois alors je. C'est pas très productif en ce moment. Hein. Ah, je viens d'arriver là. Ah, mais vous étiez coincé en fait. On a demandé des 4x4 au ministère, mais.
je viens du Soudan. Ça fait 4 ou 3 ans. J'ai quitté au Soudan vers Libye. J'ai pris un camion. Donc j'étais 2 semaines ou 3 semaines au désert vers Libye. J'ai resté un an à Libye. J'ai travaillé là-bas. J'ai rencontré plusieurs problèmes. Il y a des guerres en Libye en ce moment-là. Donc un an plus tard, j'étais en Italie. J'ai resté en Italie 2-3 semaines. J'essayais d'entrer en France, mais la police, chaque fois, il m'arrêtait au 20 mai. 20 mai, Nice, il y a mon temps. Donc, après de 6 ou 7 fois, chaque fois, la police, il m'a ramené en Italie. Donc, j'ai essayé de passer vers Bolzano. Ça, Bolzano, c'est une ville frontière de Switzerland, Suisse. Donc j'ai passé au Suisse, Suisse allemand, Allemagne, je suis parti en Danemark, Suède, Suède, Norvège. Après j'ai retourné en France, Norvège, Suède, Suède, Danemark, Allemagne, et France. J'ai passé vers Colmar, Strasbourg, Nancy, Paris, Paris-Calais. J'étais à la jungle à 2016, début de 2016, et il y a des bus particuliers de Siao. Ils sont pris pour aller à côté de Lyon, au Clermont-Ferrand. Il y a un petit village là qui s'appelle Saint-Bouzir, à côté de Clermont-Ferrand exactement. C'était ma situation pour nous, mais on n'était que les 40 personnes immigrants, mais comme le jungle, même situation à la jungle. Donc j'ai quitté cette camp ou cette foyer ou centre d'accueil, je ne sais pas comment on appelle. J'ai revenu encore à Calais. J'ai resté à Calais, ça fait près d'un an et quelques mois. J'ai eu mes papiers sur Calais, donc j'ai habité à Calais pour le moment. Toi qui as vécu dans d'autres villes en France, qu'est-ce qu'il y a de différent pour un réfugié entre être à Calais et être ailleurs en France? Par exemple, comme Boulogne ou Nice ou Calais, Lille ou Paris, des gens là, ils sont fous de ce noir, maigrat ou comme ça, mais à Calais, donc si tu veux acheter quelque chose de Carrefour, il y a tout le monde de te voir, je sais pas, on n'est pas des voleurs et comme ça, mais même les sécurités ou des gens travaillent à la caisse, ils nous voient bizarre comme ça. Par exemple, cet après-midi ou ce midi, j'étais au Intermarché à côté de Boulevard Lafayette. J'ai cherché des baguettes pour notre déjeuner. Je suis avec mon pote. Et après, j'ai pris deux baguettes et j'ai passé à la caisse. La dame, elle m'a dit, monsieur, viens voir votre sac. J'ai dit, pourquoi, madame? Il y a une dame, elle a passé juste devant moi. Mais pourquoi vous n'êtes pas demandé cette question ou posé cette question? J'ai dit ça comme ça. OK? Vous pouvez voir mon sac, mais elle n'a rien à trouver. Ce n'est pas la première fois, c'est plusieurs fois. À la gare, et la police nous arrête, en différentes situations, mais c'est comme ça, passe comme ça pour nous. Je sais pas. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens pas ailleurs en France? Non. Bah, le prenez pas comme ça, c'est rigolo de vous voir galérer. Oh.
Bon allez, monsieur, encore une fois, c'est votre téléphone personnel. Pourquoi vous faites ça? Juste une question, vous allez en faire quoi? Et vous, vous allez en faire quoi? Bah moi je fais mon travail, mais vous c'est votre téléphone personnel, donc oui. C'est pas dans le cadre de votre travail que vous me filmez là. Aussi. Bah non, moi c'est mon outil de travail. Et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez me filmer avec un outil de travail, mais pourquoi le téléphone personnel? Vous avez pas de caméra? Parce que le téléphone personnel après vous pouvez le garder, si jamais vous êtes renvoyé ou si vous êtes plus policier, mon image vous l'utilisez toujours, pourtant vous l'avez prise dans le cadre de votre travail. Moi je veux bien qu'on parle du droit à l'image, mais alors on le parle vraiment. Pardon ? Mais on est sur l'espace public, monsieur, vous avez pas l'habitude, hein ? Dijon à Calais, son prince, on a venu pour prendre au prix quelque chose de eux. On n'est pas venu pour ça. Parce que si vous voyez, il y a différents pays à Calais. Donc, il y a des Iraniens, il y a des Soudanais, il y a des Afghans, il y a des Libyens. Il y a différentes cultures de différents pays. Donc, et en même temps, il y a des problèmes chez eux. Donc, il y a pour des Soudanais, vous savez, on a problème avec notre gouvernement. Et même chose avec des Érythréens. Et il y a combat au Libye depuis 2011 ou 2012. Et aussi, il y a au Afghanistan, même chose. Par contre, on n'est pas venu pour voler, on est venu pour vivre en France. Je me souviens, il y a première semaine, quand je suis venu à Calais au mois de février, au mois de mars 2016, il y a quelqu'un devant la gare avec sa copine. Elle parlait mal avec moi, je sais pas, on parle français le moment-là, mais j'ai parlé en anglais. Et quelquefois à Calais, tu trouves quelqu'un, il a fait comme ça pour toi, quelquefois tu trouves quelqu'un, ouais, il y a des choses mal pour nous, mais on a pris l'habitude. Et maintenant que tu as eu tes papiers, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vois ton futur? Pour l'avenir, pour mon futur, j'ai essayé pour faire mes études, donc... Tu veux étudier quoi? J'aime bien faire des langues, plusieurs langues, anglais, français, arabe, espagnol. Voilà. Juste pour savoir, t'as mis combien de temps à apprendre le français? Un an, quelques mois, deux, trois mois. Si t'avais un message à passer à tous les Français, tu leur dirais quoi? Je sais pas, on est venu pour vivre, on n'est pas venu pour autre chose. Je sais pas comment... Tu peux réfléchir avant de répondre. Parce que vraiment, j'ai peur de police et peur de police. J'aime pas dire qu'ils annoncent quelque chose et ça, ils me proposent des problèmes plus tard et comme ça. Parce que c'est la police en France fort. Hein. Ouais. Toi qui as vécu la police en Italie, en Allemagne, c'est quoi la différence entre la police française et les autres pays européens? Il y a jamais la police elle m'arrêtait en Europe, que à Calais. Jamais. Il y a Calais peut-être deux fois par jour, trois fois, ça dépend. Hein. Si la police elle est calmée, c'est dur, il n'y a rien, mais demain, je ne sais pas, la police, il y a une fois comme ça, elle cherche tout le monde, elle nous embête.
Ouais, mais j'ai passé peut-être 9 pays en Europe ou 7 pays. Jamais la police ne m'a arrêté. Allemagne, Suisse, Norvège, Suède, Danemark. Jamais la police ne m'a arrêté. Lâche-le pas, c'est l'opération de police, monsieur Blanc. Ouais, je travaille. C'est bon, non, vous travaillez pas. Vous me touchez pas. Carte de presse. Non, je suis sur l'espace public. J'ai pas besoin de carte de presse, on est sur l'espace public, monsieur. Alors on se calme tout de suite. Monsieur, hey, c'est quoi votre vous nom? Vous avancez pas. Je peux filmer votre matricule? Ouais, bien sûr, 12-19-700, monsieur Blanc. Vous m'appelez par mon nom de famille? Oh, vous appelez par mon nom de famille, vous? Moi je m'appelle 12-19-700. On va se calmer tout de suite. Ok, monsieur Blanc, vous êtes ma carte de presse, c'est ça, vous connaissez la loi? Circulaire numéro 2008-84-33. Les policiers ne bénéficient pas d'une protection particulière en matière de droit à l'image, hormis lorsqu'ils sont affectés au service d'intervention. Vous comprenez pas, on est sur l'espace public. Vous dites journaliste, monsieur, je veux voir votre carte de presse. J'ai pas besoin d'une carte de presse pour être journaliste, c'est pas une profession réglementée, monsieur. Vous avez le droit de me filmer, il n'y a aucun problème. J'ai le droit de me déplacer où je veux ici. Non, à partir du moment où je dérange pas votre dispositif. Vous dérangez mon dispositif, c'est mon dispositif. De quelle manière vous dérangez? Parce que là pour l'instant, vous êtes en train de me le casser. Ça, c'est un arrêté. Les caillasses, les renforts aux collègues, calmer, c'est nous qui gérons, okay. D'accord. Bah, je fais mon travail, vous faites votre travail. Ça, par contre, vous voyez ce monsieur, ça. Ouais. Ça s'appelle une circulaire, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Elle est très connue en plus, elle est même pas récente. Elle a été rappelée le 25 avril 2017. Ça a été rappelé le 25 avril dans une note Amaris, monsieur. Vous êtes censé la connaître, vous êtes censé l'avoir lu. C'est un mémo interne à la police. Ok. On l'a lu. Vous l'avez lu, bah très bien. Je peux le récupérer maintenant. Attendez, stop. Je vais demander votre carte de presse. J'ai pas besoin de carte de presse. C'est pas une profession réglementée. Vous le savez pertinemment, ok. Vous n'êtes pas journaliste. Et c'est quoi? Vous êtes là pour les migrants? Vous êtes là pour nous casser les couilles? Il fait 560 vues par jour. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est nul. C'est ça le problème. C'est nada. Moi, je fais pas obstruction à votre travail. Vous n'êtes pas rémunéré, monsieur. Ok. Vous suis pas rémunéré. C'est qui votre employeur? Écoutez, vous avez qu'à demander à votre pote du commissariat qui a tout mon dossier judiciaire avec mes. Ok. Maintenant, je me déplace, je fais mon travail. Pas de matricule. Ah, bravo monsieur. Mais il est quand même à l'envers. Il est à l'endroit pour moi. Oui, il est à l'endroit pour vous. Ok. Là, il est caché. Pas de matricule, vachement adéquate la tenue. Pas de matricule. Ah si, bravo monsieur, très bien. Tiens, tu peux le regarder, filme-le, regarde. Non, c'est juste pour voir si vous le portez, mais monsieur. Vas-y, mets-le. C'est juste pour voir si vous le portez. On va te retrouver ton gueule. Les collègues se sont fait caillasser, c'est normal. Vous êtes fait caillasser là. Arrêtez un peu. Vous n'êtes pas fait caillasser, on était là dehors, on vous a vu. Si monsieur, on s'est fait caillasser, 10 minutes avant. Non, sur l'autre côté du pont. Sur l'autre côté. Il y a 10 minutes. On n'est pas arrivé par hasard, hein. Mes collègues sont en difficulté. Hein. Ils sont pris des cailloux. C'est normal qu'on se fasse caillasser. Vous étiez où à ce moment-là, monsieur? C'est normal, j'étais là. Vous étiez où là? J'étais là. Un caillou en pleine tête. Vous avez été témoin d'une rixe entre migrants, juste en bas. Parce que nous, quand on est arrivé, c'est ce qui se passait. Ah, une rixe? Oui. Il y a maintenant 10 minutes, un quart d'heure, monsieur. Non. Si. Non. Vous êtes arrivé après la bagarre. Donc il y a une rixe, vous débarquez, vous balancez deux désencerclantes, quoi. C'est la procédure. Je vous parle pas, monsieur. Je préfère parler à monsieur, vous voyez. Ouais, je comprends. Voilà. Vas-y, on fait le tour. Ah, vous êtes mon escorte, c'est ça? Oh. Et vous, c'est quoi votre matricule? Ah bah, il y en a pas. Ok. Vous pouvez me définir clairement le périmètre auquel je suis interdit, s'il vous plaît? Voilà. J'ai le droit à une compagnie de CRS pour moi tout seul. Ouais, les journalistes sont en train de filmer, ouais. Donc en fait là il y a une intervention sous le pont qui est là. Alors évidemment les CRS sont déployés pourquoi? Pour nous empêcher d'aller voir ce qui s'y passe. Hein? Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le 12e qui tire le camion. Juste pour deux journalistes. Bon, je vais essayer de voir ce qui se passe. Hein. Peut-être que ça finira en garde à vue. Hein. Là, le périmètre s'arrête ici, donc a priori, j'ai le droit d'y aller. Donc en fait, ils sont arrivés là. Deux grenades désencerclantes sous le pont, les gars étaient en train de dormir. Donc je sais pas si vous voyez grand chose, mais les grenades ont été balancées ici. Là ils sont descendus du pont, là ils sont encore là. Évacuer les personnes qui sont là. Bah non, ils les ont pas virés, ils sont juste venus balancer deux grenades, foutre 2-3 coups de matraque et puis bah ça retourne au commissariat quoi. Voilà, bien sagement. Hein? L'ordre est rétabli.
Ah, on va quitter les lieux, bah voilà. J'ai pas besoin de commentaires. Hein. Ouais. Vous voulez faire un commentaire? Non, j'ai pas besoin de faire de commentaires, mais surtout des votes, d'accord? Tout le monde se connaît dans ce village. Ah, bah oui, c'est un village. C'est ça, hein. Même vous, vous connaissez, oui. Bah ouais. Pourtant, j'avais pas le droit de venir. Hein. Je comprends pourquoi maintenant. Vous m'aimez pas, hein? Vous êtes risible. Je suis risible. D'accord. Bon, les gars, on y va. Merci, messieurs. Voilà, une opération rondement menée. En plus, vous avez fait chier les CRS alors qu'ils étaient peinards à l'hôtel, quoi. Soyez pas outrageant, monsieur Delan. Je suis pas outrageant. Soyez pas outrageant. Je suis pas outrageant. Je vole juste des talkie-walkie, vous savez. Je travaille aussi, monsieur. Vous avez essayé de m'empêcher de travailler, c'est de bonne guerre. Ça marche. Ils ont la parlotte ici, hein, les flics. Hein. Allez, on rentre à la maison. À demain! Oh, il y a la mère de la ville, alors ça, c'est exceptionnel. Madame Bouchard, on a tellement de choses à vous demander. Et monsieur Mignonnet. Bonjour, madame. Est présent, bonsoir. Merci de venir nous soutenir. Laisse parler madame le maire, s'il vous plaît. Soutenir les forces de l'ordre. Très bien. Qui font un travail remarquable. Qui a été condamné par le Conseil d'État. Laisse madame s'exprimer, s'il te plaît. Aujourd'hui, un travail remarquable. Qui, depuis des années, sont là présents, sans incident. Et donc, condamnés par à peu près toutes les instances nationales, internationales. Même l'État a perdu. Féliciter et les soutenir. Et vous avez perdu. Leur action. Je peux vous poser une question, madame le maire, s'il vous plaît? Il y a une action qui consistait en quoi, madame Bouchard? Laisse-moi poser une question. Cette action consistait en quoi? Je réponds pas à ce monsieur qui est le roi de la provocation. En quoi consistait cette action, madame Bouchard? Avant que vous partiez, madame. Je viens juste saluer les forces. Très bien, mais avant que vous partiez, est-ce que c'est possible d'avoir un commentaire? Vous venez aujourd'hui de faire un communiqué déclarant que vous ne respecteriez pas la décision du Conseil d'État, qui est quand même la juridiction supérieure de la nation. Vous n'avez pas l'impression d'être hors la loi maintenant? Je me suis exprimé largement auprès des médias. Je n'ai pas de leçon de recevoir ni de vous, ni des associatifs, ni des activistes qui sont à vos côtés. J'ai fait mes preuves en termes d'humanité, j'en ai fait beaucoup plus que vous tous réunis. Vous ressentez quand même, le besoin de venir vous justifier ce soir. Donnez-moi quelque chose à manger, s'il vous plaît, madame Bouchard. Je viens soutenir les forces de l'ordre. D'accord. Qui, avec toutes les difficultés, les tensions qui ont pu y avoir dans son territoire, sont exemplaires. Je voulais ce soir marquer mon soutien à l'ensemble des forces de l'ordre. Est-ce que vous trouvez ça normal que les forces de l'ordre fassent une opposition au travail de la presse? Mais quels sont vos actes de solidarité en fait, madame Bouchard? Continuez à travailler, à vous lever tôt le matin, à gagner votre vie. Je le suppose, et puis je suis à côté de ceux qui... Et vous commencez quand? N'oubliez pas, vous avez été élu par rapport à une liste ouverte. Mais vous n'avez pas répondu à quels sont vos actes de vos solidarités. C'est bon maintenant, voilà, c'est terminé, vous sortez. S'il vous plaît, vous enlevez votre main. Vous enlevez votre main. Ils disent que des bêtises. Ils disent que des bêtises. Madame Bouchard, vous avez été élu par rapport à une liste ouverte. Allez, monsieur. On a toute la police de Calais, là, ce soir, voilà. C'est l'after du Conseil d'État. Les chefs font la gueule, mais il y en a quelques-uns qui se marrent quand même. Allez, bonne nuit, messieurs. Messieurs, dames, pardon.